Mon analyse, elle est celle que je vais vous donner, c'est celle que j'ai dit aux joueurs. On a fait 7 minutes de bonne qualité en première mi-temps, c'est tout. Après, on a reculé pendant 35 minutes. J'ai pas plus ou moins reconnu l'équipe que je voulais voir en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus cohérent dans l'aspect à la fois tactique, dans l'aspect aussi de gagner des duels. On n'a pas été mis en danger sur la deuxième mi-temps, et ça, c'est très important. Ce qui est important à la mi-temps, c'est de recadrer un peu tout le monde pour pas non plus se jeter dans la gueule du loup et revivre les scénarios qu'on a vécu contre Clermont, contre Le Havre, voire contre Orléans, où on ouvre le score et après on perd. Ce qui est important, c'est à un moment donné d'être beaucoup plus costaud et d'essayer de jouer avec les joueurs qui allaient rentrer, qui avaient de la vitesse, ou même les joueurs qui étaient sur le terrain qui avaient de la vitesse pour essayer de contrer cette équipe du Mans, qui est une bonne équipe en soi. On avait besoin de sérénité, on avait besoin d'être beaucoup plus à la fois serein, mais à la fois aussi bien positionné sur le terrain. Je pense que c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui étaient partis aussi en sélection, qui n'avaient pas joué, qui ne s'étaient pas entraînés avec nous. Il a fallu un peu mettre une équipe remodelée, puisqu'on a eu aussi deux blessures au dernier moment, avec Walid El Hadjam et Pape Soaré. Donc déjà, c'est pas si facile que ça. De mettre aussi Ryan dans un couloir tout seul, sans personne derrière. Au départ, je ne savais pas trop si ça allait marcher. Puis en fait, ces joueurs-là ont fait le match qu'il fallait, et c'est bien aussi pour le groupe. Ça montre que ça donne d'autres alternatives à mon groupe, et je suis très heureux ce soir quand même de gagner ce match. Oui, alors déjà, on va savourer celle-là, parce que franchement, j'en ai vraiment besoin, et je pense que le groupe en a vraiment besoin. Et puis on va bien s'attacher à essayer d'aller faire un résultat là-bas. Aujourd'hui, tout en regardant les autres équipes, rien n'est facile dans ce championnat. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné, et nous, ce soir, on a su le faire, malgré le fait que, oui, elle n'était pas à la hauteur de ce que je recherche au niveau du jeu. Mais au niveau des points, c'était très intéressant.